Ariel Henry, qui m'a support international an, par rapport à la crise qui a brassé le pays d'Haïti. Résolution sur résolution, réunion sur réunion, rencontre sur rencontre, sous dossier Haïti. Dans le Conseil des Nations Unies, reunion, tout pays est réuni, il met l'accent sur dossier Haïti. Ya. Dans un premier temps, tu te as deux pays qui sont opposés à l'idée pour avoir troupes troupes militaires dans le pays d'Haïti, c'est la Chine et la Russie. Mais la Chine et la Russie ont déposé des conditions, c'est parce qu'on dit face à la crise politique qui a brassé le pays là, Ariel Henry n'a pas de légitimité assez pour comprendre la réalité. Attendez bien. Attendez bien, la Chine et la Russie ont dit que Ariel Henry monsieur M. Pagan, légitimité assez face à la crise politique qui a brassé le pays. Il faut que tu il faut que tu chita pour qu'on ait ce qu'il y nécessité pour déployer troupes militaires sur le pays d'Haïti. Après ça... Yo chita encore sur le dossier Haïti. Finalement, ils a tout censé voter en résolution. Mais c'est n'est pas ça que nous non, <coughs> Parce que, pour un peu de monde, la résolution c'est à tout décider, voyer des troupes militaires en Haïti pour aider dans un fait sécurité, même si l'histoire rapportait que... yo pa jam vreman garanti sekurite, ou kontrèr, se souvan deblozay e plus, tet chaje ou kite apre pasaj yo. Soubendan, fas ak dimansyon kriz la nan vide nan peyi an, l'ekol ki pa ka fonksyonè, bon se vre kou ni a aktivita pou repren timidman, men toujou gen panik nan la riyan tan san tan, les Etats-Unis, li vle, li vle, tan de bie san ap diya, Les États-Unis immédiatement pour que tu aies une force étrangère en Haïti. Parce que ont estimé que la compliqué. Non, mais yo, yo dit que de manière immédiate, faut gagner une force multinationale qui déploye. Cependant, les États-Unis trouvaient une situation compliquée. <laughs> Ta les États-Unis trouvent pendant que je là, dans une situation compliquée, c'est parce que tout pays membre des Nations Unies, il n'y a pas de même pour avoir des troupes dans le pays d'Haïti. Cependant, il y a une discussion qu'a parce que les États-Unis, Pabli c'est deux pays déjà comme si dans deux vents ça. C'est États-Unis et le Canada. Le Canada, les États-Unis, c'est eux-mêmes qui paraissent comme si dans deux vents dans ce sens-là. Donc États-Unis, grand le pays qui les États-Unis. Comme quoi lui, pas décidé lui-même pour prendre cette mission, mais c'est comme quoi voulait imposer droit veto li comme première bon puissance, et comme quoi il a, ou il pas prêt à là, non, mais l'a a passé l'autre pays ou l'autre pour faire si, fait ça. Donc, il y a une discussion qui est en cours sur le bazar. Il y a une euh, délégation canadienne qui en visite dans le pays pour évaluer la situation. Il y a des autorités américaines qui en déplacement vers le Canada, qui chita avec le Premier ministre un trou droit, pour garder justement qui sa comment nous capables traiter dossier Haïti. Ya. Face à la réticence en paquet de pays dont le Brésil actuellement qui préoccupé dans sa fait élection, ça veut dire que le Brésil, pourquoi on pas troupe du tout sur Haïti, parce que actuellement là, c'est Lula qui a frappé avec le président sortant. On le 30, a bien deuxième tour, Lula met en campagne vraiment de haut niveau. Kounya n'a gade qui sa va Ça veut dire, le Brésil, pour qu'on a dossier Haïti du tout, c'est la kaye à a boue pour l'instant. Les États-Unis <tut> envisage, d'après Miami Herald, qui parle sous sa tout, gagner des autorités américaines qui, kounya, kap tente ou si yota penche vers CARICOM. Tade, a gade pour est-ce que CARICOM se pas tant option? Il faut me tout rappeler que, il y a pays qui a déjà di dit qu'automatiquement il a demandé, il n'y a pas problème, il n'y a pas c'était justement Bahamas. Est-ce que ça pourrait arriver que nous prenions le joint, qui débarque dans le pays, nous pouvons reconnaître cependant, ça a l'étude. Donc, si toute bagarre monde entre dans l'autre, ça peut arriver qu'il faut fait appel avec des pays qui sont membres qui sont membres Je vous dis là. Jiska prezon, sa a rete kom si yon suspens. Parse kwen dabe se cheche pou noue ki sa ba alanye direktman. Mwen te oblije fe anpil kontak pou m gade ki sa ki verite la dan li. Parse ke genyen yon informasyon te partaje sou rezo sosyal yo. Euh, se ke pa gen trop media ki ou le yel, nou ta ve se gade pou nou we ki sa ki verite la den. Pa bli ye ke gen yon desisyon ki pre an pa lontan la, kote informasyon ki soti nan departement d'Etat Amerikan, se parti nan rezolusyon te pre an menm, Côté, yon dit, face à la criminalité en Haïti, Gang Aksam ak qui a eh, frappé, il prend des sanctions contre non seulement Gang Yo, mais gens qui ont financé Gang Yo. Ça qui jusqu'à présent mystère. Parce que Gang Yo continue à frapper, alors que yo dit qu'il sanction qui prend, contre Moun qui a financé Gang Yo, mais pas contre qui est-ce Bon, il dit que, vous comprenez, en question d'immigration, il y a des bagages, il ne pas de courir comme ça, etc. Parce que, il y a des états qui pas de problème. Nous continuons à chercher. Jusqu'à présent, nous continuons à chercher. Parce que ça, c'est important pour la République. Parce que si on dit, parce que, coupez-vous ça hein, non

il a pas de drame si vous refusez un citoyen ou un visa. Cependant, le c'est des autorités en fonction, vous refusez un visa. Et vous dit, d'après information qui partagent, ils dites que c'est parce que y a des autorités qui ont de connivence, de mèche avec les euh, Ça, c'est bon, bah comme si vous nous gardait comme ça. Il y a plusieurs articles qu'on lit. Je vous avez un article sur Haïti Info Pro qui était parlé de ça. Côté que, il était parlé de visa ki des officiels haïtiens qui t'a annulé. qui ont été refusés qui ont refusé refusés accès d'entrée. Après ça, il semblait qu'ils étaient venus après. Surtout l'ambassade d'Espagne en Haïti. Je avez ai cité l'île le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. nest on pas a été à chercher pour comprendre qui s'est passé Martin grand scandale, c'est parce que, qui n'est pas trop clair, je vais l'expliquer pour lui, ça n'est pas trop clair. Le ministre de la Justice, Berto dorsey, qui semblait être supposé rentrer aux États-Unis, selon premier élément d'information qui partageait, Monsieur était supposé entrer pour une visite de trois jours ou bien une semaine aux États-Unis. Et puis c'est le monsieur arrivé ou bien arrivé, par prudence, parce que il y un élément à chercher toujours tout ça. Je vais l'expliquer pour qui ça. Le monsieur arrivé sous contrôle à il, a, hein? il a signalé que monsieur le ministre, malheureusement, monsieur, ou para pas capable de rentrer sous territoire américain, hein? visa ou annulé. Ok. Mpa jom bay sou sa ta lè. Euh, me sa mpa kompren nan den la. Mpa kom si avoka ki travè nan imigrasyon. Mpa gen eksper sou za fè sa. Sependan, mjus gom baga ke mpa kompren. An realite sa m kontande ki souvan rive. Maske lè ba ap arrivo ou. Ou yon wèm gen ti wè chèch kou fè sou li. Men pwis kou sa ap arrivo gen dede de ta kou pa konen. Si service consulaire non ambassade yo annulé visa en citoyen, logiquement, il a supposé recevoir un email ou bien un texte qui avertit ça. bien, ça dit là. Logiquement, il a supposé recevoir un email ou bien un texte message via WhatsApp. par pas qu'on a déjà Qui t'a averti que monsieur, désolé, pour raison X ou bien Y, ou pas capable d'entrer aux États-Unis encore si ça me pensait bon si ça pas ta fait ou bien s'il si t'a fait par ignorance que chef la pas ta ça et c'est l'heure pour l'alpati pendant la Tchéke où tu as constaté que le pas accès d'entrée moins estimé que ça grave non seulement grave par rapport à service consulaire ambassade qui refusait l'entrée mais l'épigraphe grave toujours parce que c'est une autorité en fonction et malgré comme s'il si pas très critique envers Negsayo mais nous pas comme si applaudir parce que son humiliation liée, parce que le ko c'est eux même qui représentez nous quand même parce que le chef pays jusqu'à présent oui ça veut dire que humiliation c'est quoi c'est quand il y a une autorité là et puis il prend ma lettre pour voyager dans l'autre pays, et puis c'est l'un à la là-bas, il y mon cher monsieur, désolé, ou pas pour rentrer dans le pays, parce qu'on n'a pas visa d'entrée, on pas accès d'accès d'entrée, visa est annulé. OK Ça veut dire que, non, il y a averti, il y a averti, ça me OK, par exemple, Don Kato, il y annulé le visa, monsieur. Ou monsieur, j'ai même partagé screenshot là, y'a avet il et après ça, y'a l'émission pour dire dit mon cher, tu tel bah ou kavin prati viso. Kato dit, y'a eu un petit viso là, de pas couper visa pour Jérémy, pour Sud, pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là, il a un petit problème, parce que pas oublier que son autorité, ok? C'est pas comme son simple citoyen, son ministre de la justice, son ministre de l'intérieur. Ça veut dire que je tu as supposé qu'on t'y bagage. Cependant, si ça arrivait, qui ça pour dit? dire oui Ah, ici bagage autorité. Ah, ben, ou sous benira? ah, ben là, oui t'en bien. Si ça arrivait, on ne pa prend pas pour blague. Quand y a question pour poser, pour qui ça, il a annulé visa Ministre justice pays nous. Ma fait deux parenthèses. Sous qui base pour yon ambassade ou bien yon pays a décidé annuler visa entrée, accès d'entrée à yon ministre de la justice pays d'Haïti. Alors que yon fait ce point résolution. Pour sanctionner une série autorités, une série d'officiels, une série entrepreneurs qui a de connivence avec bandit. Nèg qui ont de connivence avec bandit, bandits, ils prennent sanction contre eux. C'est ce rapidement réfléchir. Est-ce que si ils t'a coupé vis-à-vis de c'est parce que monsieur a de mèche avec bandit. On Regardez ça. Vous où chauffe-t-on, mais on a regardé, oui. Quand il y a la première question qu'on nous pose, est-ce que Mini Justice nous a bertôt est-ce que qu'elle fait partie qui lis de l'ISMUN qui n'a tête langue, qui n'en financé gang dans e si le pays d'Haïti Ça, c'est le ministre Arabi Ribonni. Il m'a souhaité que l'on m'y qui fait autour de ça. Et si c'est le cas... Monsieur supposé remettre des missions là même et faut que la justice se côté. c'est pays n'a fait. Si a fait démagogie, on fait démagogie. <laughs> si a fait démagogie, on fait démagogie. Donc, automatiquement, ça t'arrivait. Ou très peu de ça t'arrivait. Parce que, effectivement, moi, je avec quelques nègres dans Ministre, là, réuni avec un série de monde, etc. Soit chef parquet ou bien l'autre ou, gars représentant ou au niveau de la justice. Ça veut dire que okay, le ministre est là hier. Et il y a un proche ministre qui dit que le ministre est supposé partir aujourd'hui pour al faire soit trois ou bien une semaine aux États-Unis. S'il parlait, pas ça ne Si vous avez un coupé, pour qui ça? <laughs> bah, il y en a un. Non, Silvestris, bah, il y a un. Est-ce que le ministre fait partie de l'ISMUN? Parce que c'est un grand liste qui a circulé. C'est amis qui a envie d'aider. Donc, attendez ça. Monsieur, monsieur, il appelle l'affaire. Il parle l'affaire, vous comprenez. On va peut pas faire ça. On va peut pas faire ça, non? E, et a aidé. Sans so coût, mais on ne peut pas y mon cher. Vous comprenez? Eh, faut, bon, écoute, mais fin on finit ça. On finit ça, mais on finit ça. On a cité, non, oui. <laughs> Tenez bien. Parce que, mon travail sur la liste, on ne va pas fake news. Il faut m'assurer, parce que, bon, liste mwen la liste, on a partage là. Eh bien, bah, c'est fake news, lui. Il y a des non cité là, dans les Haïti. avec les citoyen américain oui. Donc, suspend par fake news. Pas de sensation. Ça dire première question que vous me posez, si Berto Dorsey... Visa américain ta coupe, question, est coupé annulé. Première question, est-ce que monsieur Soulis moon moun financé finance gang dans le pays Première question. Deuxième question. Ou bien deuxième élément que ne capable de considérer. Encore deuxième considération nest fait. avant y'a là, non monsieur cité dans affaires affaire M'a expliqué vous qui ça. attendez bien ça m'a dit. Parce que n'est-ce qu'il de déformer ça m'a dit. Tendez bien. Gagnon bat aux âmes qui débarquaient dans Port-de-Paix. Balle avec ZAM. <coughs> Selon rapport de CPJ, bien que Badjo dit n'est CPJ au baron de prend <coughs> responsabilité de monsieur. M. Caleb Jean-Baptiste Jodia, il répond à la sommation de euh, Badiou. bien. Imaginez que DCPJ, dans rapport pour produit, il dit que Zam, yote a joué dans le port de Payo, Zam, ça, yote supposé rentrer pas au prince. Et puis, DCPJ, Soubaka crié, tout va faire grimace. <laughs> ka crié, va faire grimace. Avec social social là. <laughs> John, tenez bien. Soupa ka crié, va faire grimace parce que DCBJ dit que... Zamsayo, tu es supposé rentrer dans capital la capitale, et on tap, utilisé véhicule PNH, véhicule officiel, service de l'État, pour rentrer avec Zamsayo dans capital la capitale. C'est bien au pays. Tu a arrêté deux nègres dans quatre dossiers, ça, qui hein? fait partie du système judiciaire, là. La. C'est <laughs> pays difficile. Pas oublier des

En dougeant entité dans PNH, pas pour Haïti. Eh, pas pour Haïti, oui, non. En groupe BLTS, soit. Et monsieur ça, c'est l'ambassade des États-Unis de contrôler. Ça, elle dit, vous faites ça. Si elle dit, revoke, revoke. Si elle dit, transférer, transférer. Madoula, ou avant de dire, elle fait, comment? Test mensonge pour neige, détecteur mensonge. Eh bien, si vidéo tap circuler. Parce que si jeune argent un swat ou comprend qui elle fait. On ti il faut pas. Et bien, il a éliminé deux petits soldats à vite. monsieur filmé, il niveau eu baron combat lui. Pour le dire, nous prenons avec ça. Et puis, monsieur Empayeur a publié son groupe. Cette vidéo a circulé. Oh, oh. Enquête a mener sur les gens qui ont demandé pour révoquer les gens. Et les la mélange, dans les eaux sont fâchés. Ils ont demandé transférer. Mais les gens ont été persistés même pour révoquer lui. Bon, comment ça fini C'est un pays difficile, tout bonne monde est nous la Un pays difficile. Eh bien, attendez, non. Ebe, nan kat zanm po depeya, ki es yo arete la den? Yo arete komise gouvenman po depeya, Michele Virgil. Yo arete, misyu, eske nou sonje ba a izan? E sa fe mwen, dese bej yi kadra va yi, se volon tete manke, men, ene yo kadra va yi. Et ça te fait, Moi, je comprends l'histoire. Ou m'a pas parlé de ce dossier de Badjoua, vais pas ne vais pas comprendre l'histoire qui te réfléchir bien. Parce que parfois, ou de même Kavin Souli, parce vais m'a réfléchi bien sur ce dossier ça. Et m'a pas compris de Badjoua même. Tenez bien. Dans l'enquête de CPJ, il révélait révélé que, il appel qui t'a sorti vers le ministère de la justice, qui t'a parlé dans le port de paix. Et il y a deux autorités au niveau de la justice qui t'a fait appel ça, c'était directeur adjoint à fait judiciaire là, ou bien juridique, qui en le ministère de justice, Fritz Aubourg Et deuxième monde qui t'a fait appel ça, au vert commissaire gouvernement, qui t'a exigé libération sans condition, propriétaire bateau, comme encore journal George, c'était qui a souple, yon membre influent dans le cabinet. Ministre justice-là, ah, maître Robinson Bialoui.